Hola tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour les ouvertures des calendriers de Saint-Valentin du jour 8. J'ai vérifié avant. Alors, le premier qui est devant moi, on va dire, c'est celui de Lovely Scrap. Alors, le numéro 8, il est là. Ça doit être du ruban. Rien. Le ruban, c'est facile à savoir. Hop. Hein, c'est du ruban cadeau. Que je n'ai pas d'ailleurs. Oh, il est super beau. Montre. On a un avec des petits cœurs. Ça, c'est dans le rayon cadeau. Il y a 5 mètres à chaque fois. Après, on a un à paillettes et un petit. Il est un peu crème. Super joli. J'adore la taille. Je n'en ai pas du coup ça. Donc, c'est parfait. En plus, 5 mètres, il faut y aller. Hein. 3 fois 5 mètres. Ruban décoratif. En tout cas, merci beaucoup à toi, Lovely, parce que ça, je n'en ai pas. Enfin, pas celui-là, en tout cas. Ensuite, on a celui de Décrit Passion. Alors, le 8. Il est là. Hop. Numéro 8. Et avant. Hop, j'enlève le numéro 8 et je le mets en carton. Alors. Il colle bien le scotch. J'espère que vous allez bien. Vous n'avez pas trop de neige. Nous, on n'en a pas encore, mais il fait un froid de neige. Normalement, nous, c'est demain. Alors. Oups là. Génial. Oh, c'est trop canon. Oh, c'est cool. Alors, on a une planche. Voilà. On a une planche de stickers Puffy. Franchement, elle est trop canon. Alors, on a Enjoy for you. Shine. Je signe. Circe, Happy Birthday, Love, etc. Donc il y en a vraiment beaucoup. J'adore les petits nœuds. Trop mignon. Merci beaucoup à toi, les crispations. Et on a. Alors ça, c'est trop canon. Je connais pas. Donc ce sont. Même pas marqué en français. C'est des. Attends. On va dire un peu comme des. C'est adhésif. C'est des. Ah, je trouve plus le nom. J'arrive pas à le traduire. Marcadores. Je ne dis pas espagnol. Il y a 32 chèques. Donc il y a 150. Oui. Donc c'est des post-it, voilà. Mais en forme d'onglet. Ça, c'est canon.
Je connaissais pas du tout, du tout. Puis les couleurs, elles sont canon. J'adore. Il y en a un paquet. Hein. Il y a 32 chaque. Merci beaucoup. C'est super. Je connaissais pas du tout les de cette forme-là. Et c'est canon, c'est en forme d'onglet. Bon. Rien ne vous empêche quand je voulais faire un planeur ou un truc comme ça. Vous les collez juste le bas. Sur le bord de la feuille, ça fait un. On en met deux pour que ce soit un peu plus épais. Sinon, moi, ils sont autocollants. Ça colle pas de top. Hein. Et ça vous fait un onglet sur vos pages. Ça, c'est super idée. Merci beaucoup à toi, Christine. Hop. Je le mets dedans. Celui-là aussi. Voilà. Merci beaucoup à toi. Lovely. Décrispation. Ensuite. Hop, je fais échelon de boîte. On a celui de Lydie. Alors, numéro 8. Il est là. Alors, numéro 8, il y a deux petits paquets. On va enlever. Hop, l'étiquette. Juste enlever. Voilà. J'enlève juste l'étiquette pour le remettre dedans. Et on va enlever le. On va les décoller. Voilà. Et on enlève les petits nœuds que je vais aussi récupérer. Enfin, les rubans. Alors. Ouh, ça sent bon. C'est... Oh, génial. Ah, c'est canon. Alors là, je ne connaissais pas. Oh, ça sent bon. C'est des petits cœurs. Un savon en forme de cœur. Mais ça sent trop bon. Alors, je trouve que ça ressemble... que ça sent, pardon. Vous savez, les baumes aux lèvres... espèce de noix de coco, là. Faudrait que tu me redises, Lydie. Mais je trouve que ça sent comme les baumes à lèvres quand vous avez les lèvres versées. Oh, ils sont trop canons. Donc, il y a trois petits cœurs. Hop. Voilà. Il y a trois petits cœurs. Je vais les remettre dedans. Hop. Et au toucher, on dirait, bah, c'est un peu comme les bougies. C'est trop canon. Et le deuxième. Pareil, le petit ruban. Hop, un scotch. Ouah, j'adore. Ça sent les fruits. Oh, c'est excellent. On dirait la cerise. Et dans le deuxième. Hop, attends. On a trois petits savons en forme de fleurs. On dirait de la cerise. Ça a l'odeur des sucettes à la cerise. Oh, j'adore. À mon avis, ça, c'est des petits cadeaux de la bougie de Tiffany Cap Beauty. Oh, ça sent bon. Franchement, j'adore. On dirait, je veux dire, la cerise.
Ah ouais, 6. Ah, j'adore. C'est super original. Merci beaucoup à toi, Lydie. Merci à Tiff aussi. Je suis sûre que ça vient de la boutique de Tiff. En tout cas, merci beaucoup. Je vais les remettre dans le carton. En tout cas, merci beaucoup. Et le dernier qu'on va ouvrir, c'est celui de Gwen Scrap. Alors, le numéro 8. Normalement, ils sont... Voilà. Je les ai mis dans l'ordre. C'est facile à chercher. Hop, on va le poser là. Voilà, le numéro 8. Hop. J'enlève. Bien scotché. Voilà. Ah. Alors, cette fois-ci, on a une petite pochette. Ah, génial. Donc, on a une petite... Il m'a fait un tamponnage. Tu es mon rayon de soleil quand le ciel est gris. Ils sont trop canons. Regardez les couleurs. Waouh. Ça, c'est une espèce de sapin. Il est trop, trop beau. J'adore celui-là. Celui-là, pour l'été, il va être trop canon. Il y a des petites fleurs. Là, on a des papillons. Marqué « We Flow ». Et l'autre, c'est des petits dessins. Toujours avec le petit nœud. Et ça, maintenant, je sais, c'est suite à un partenariat, là, il a découvert. Et bien sûr, hein, derrière aussi, tu ne rencontres qu'une fois dans ta vie la personne qui change tout. C'est vrai. Et là, on a d'autres couleurs qui sont tout aussi canons. J'adore. Donc là, des petits cœurs violets sur un fond beige. Là, c'est marqué You're Lovely. Un petit clin d'œil à ton pseudo, Lovely. Mais Gwen, hein, tu pouvais pas te... Lovely Scrap et Lovely, voilà. Petit aparté. Après, on a comme des dominos. Ça ressemble à des flocons, mais c'est pas des flocons. Pas ce que c'est quand même. Et ensuite, on a un autre marqué Just for You. Sont trop canons. Merci beaucoup les filles. Je vais faire un stop de ruban. D'ailleurs, j'ai 3 boîtes de ruban. Bien. Mais ceux-là, je ne les avais pas du tout. Du tout. Et ceux-là non plus. Donc, merci beaucoup à toi, Gwen. Parce que là, tes petites pochettes, là, c'est trop canon. Alors, je me demande comment tu fais. Ça doit être le nom que tu as eu pour voir la longueur de la pochette. C'est un die, je crois, qui est là. Et bien sûr, hein, la petite touche de rouge pour le petit nœud. En tout cas, merci beaucoup à toi, Lovely. Merci beaucoup à toi, Gwen. Surtout à Gwen. Merci à Lily. Et merci à
des crispations. Merci beaucoup les filles. Je suis ravie de ce petit calendrier de Saint-Valentin. Franchement, pour une fois, j'ai une bonne idée. Et je ne suis pas la seule à dire. En tout cas, merci à vous quatre, les filles. Et nous, on se donne rendez-vous demain. Pour le jour 9 déjà. Et ouais, ça passe. Passez une bonne journée. J'espère que vous n'avez pas trop de neige. Moi, j'espère pas en avoir parce que j'ai pas besoin. Surtout, demain, mercredi, j'ai besoin de bouger. En tout cas, je vous souhaite une bonne fin de journée. Bonne journée, on n'est que le matin. Et on se donne rendez-vous demain pour le jour numéro 9. Bye bye tout le monde.